Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. En préalable de cette audition, nous devons désigner un rapporteur sur la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l'avenir. Je rappelle qu'il s'agit d'une proposition présentée par le groupe GDR dans le cadre de son droit de tirage. J'ai reçu la candidature de M. David Valence. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela? Pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Nous devons par ailleurs procéder à la désignation de rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances pour 2024. Donc accrochez-vous, je vais donner tous les noms des rapporteurs pour avis. J'ai reçu les candidatures suivantes. Madame Danielle Brulbois pour l'avis transport terrestre et fluviaux. Madame Alexandra Masson pour transport aérien. Monsieur Stéphane Buchou pour affaires maritimes. Monsieur Marcelin Nadeau pour protection de l'environnement et prévention des risques. Monsieur Emmanuel Maquet pour paysage, eau et biodiversité. Monsieur Jean-Louis Bricout pour transition énergétique. Monsieur Pierre Meurin pour politique de développement durable. Et enfin, Madame Sylvie Ferrer pour aménagement du territoire. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, il en est ainsi décidé, mes chers collègues. Nous en venons donc à l'audition qui nous réunit aujourd'hui pour échanger sur le thème de la compensation des atteintes à la biodiversité avec Madame Stéphanie Lumbers, représentante de France Industrie, directrice du développement durable de la Fédération des entreprises de la beauté, Madame Annabelle Ferry, directrice territoire et ville du CEREMA, qui a accompagné de Monsieur Tariq Yaïch, responsable national activité biodiversité et aménagement. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être présent dans cette commission. Et j'excuse aussi l'absence du troisième intervenant que nous avions sollicité pour cette table ronde, Monsieur Loïc Aubled, directeur général délégué de l'OFB, qui a malheureusement eu un empêchement de dernière minute. Votre audition s'inscrit dans le cadre de nos travaux préparatoires en vue de la discussion du projet de loi relatif à l'industrie verte qui touche à de nombreux sujets intéressant notre commission. Parmi ces derniers, nous identifions en particulier la question importante de la compensation des atteintes à la biodiversité que nous n'avons pas encore eu l'occasion de véritablement creuser ici dans le cadre de nos auditions sur le thème de la biodiversité. C'est évidemment un sujet important pour notre commission. Comme vous le savez, la compensation des atteintes à la biodiversité constitue le dernier maillon de la séquence éviter, réduire, compenser. Elle ne doit intervenir qu'en dernier recours, selon un principe de proximité. En la matière, il existe des initiatives reposant sur le volontariat. Votre éclairage respectif sur ces initiatives des porteurs de projets nous sera évidemment très utile et nous serons là aussi pour les valoriser, notamment d'un point de vue législatif. Il existe aussi déjà un mécanisme de site naturel de compensation qui permettent d'anticiper les mesures de compensation. Quelle est votre analyse sur ce mécanisme auquel il semble être peu recouru? Quelles sont les principales mesures pouvant être mises en œuvre dans ce cadre? Ce mécanisme est-il par ailleurs pertinent? Présente-t-il des insuffisances? Quels sont les éventuels freins à son utilisation? Ces questions concerne naturellement les porteurs de projets qui sont attentifs au modèle économique ainsi développé, mais nous sommes aussi évidemment tout aussi intéressés par la question du gain écologique attendu et effectivement constaté et la manière avec laquelle nous pouvons valoriser, sans doute d'un point de vue financier aussi, comptable, ces gains écologiques. Enfin, le projet de loi relatif à l'industrie verte, remplace ces sites naturels de compensation par des sites naturels de restauration et de renaturation, ce qui conduit à ouvrir le dispositif à d'autres objectifs que la seule compensation.
Quelle en serait la plus-value d'après vous? Et est-ce que vous identifiez des points pouvant être améliorés ou des incertitudes à lever? Mesdames, messieurs, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes et puis nous laisserons par la suite nos orateurs de groupe prendre la parole et vous questionner sur ces sujets passionnants. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, donc je vous remercie de nous donner la parole aujourd'hui au secteur industriel pour évoquer ce sujet d'évolution du cadre de la compensation écologique. Donc je représente France Industrie, je travaille pour la FEBEA, Fédération des entreprises de la beauté, qui regroupe 350 entreprises de la cosmétique, donc au sens large, produits de parfums, maquillage, capillaires, soins. Donc c'est un secteur extrêmement dynamique, fortement exportateur, et qui conduit à un assez grand nombre d'ouvertures de sites industriels, tels que très récemment un projet de Clarins pour 135 millions d'euros dans l'agglomération de Troyes. Donc, vous l'évoquiez en introduction, la compensation écologique clôt la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, qui vise l'absence nette de perte de biodiversité. De lors des créations de sites, nous avons évidemment exploré cette séquence. Par exemple, l'exemple de la société Sisley qui va ouvrir prochainement un site de production à Vendôme. Et donc, ce site a fait l'objet d'une évaluation de la perte de la biodiversité. Au regard de la caractéristique du site, l'entreprise a mis en place donc cette séquence ERC. Donc, des évitements ont été mis en place, tels que conservation de certains habitats de type bloc rocheux, zone mésophile, complétés ensuite par des mesures de réduction, telles que installation d'hôtels à insectes, nichoirs, herbaniculum, décalage du planning des travaux en fonction de la saison et création d'espaces verts spécifiques, permettant la perméabilité des clôtures pour la petite faune. Donc, suivant cette logique, sur ce site, les actions prévues ont permis de ne pas avoir recours à la compensation. Donc pour revenir sur le sujet de la compensation, vous savez, il existe deux types de compensation prévues par la loi. Une compensation à la demande, où le maître d'ouvrage doit organiser la mise en œuvre de la compensation, et une compensation par l'offre, où le maître d'ouvrage achète des unités de compensation auprès d'un site naturel de compensation. Donc, dans tous les cas, la compensation doit répondre à des principes et des exigences d'équivalence écologique, d'efficacité, de temporalité et de pérennité, ainsi que de proximité fonctionnelle des mesures de compensation. Dans le cadre actuel des SNC, un opérateur tiers agréé par l'État réalise des opérations de restauration et de développement de la biodiversité. Cet agrément par l'État atteste de la probabilité des gains écologiques et la pérennité de l'opération sur un temps minimal de 30 ans. Or, les exigences indispensables d'équivalence écologique et de proximité fonctionnelle, à la base du fonds principe de la compensation, impliquent l'existence d'une variété suffisante de projets dits clés en main. Et force est de constater que les offres de SNC sont très peu développées. Depuis 2016, seul le site de Caussure dans les Bouches-du-Rhône a fait l'objet d'un agrément. Les travaux sur ce site ont permis de recréer un espace naturel en transformant un verger intensif en steppe semi-aride méditerranéenne, ce qui de fait correspond à une typologie très spécifique de système écologique. Donc cette faiblesse de l'offre s'explique sûrement par les incertitudes très élevées que doivent assumer les porteurs de projets de SNC. Incertitudes techniques, incertitudes économiques et incertitudes juridiques liées aux autorisations de projet assorties des mesures compensatoires. Or, sans le développement d'une offre de sites de compensation clé en main en nombre et en typologie suffisante, c'est en cascade l'efficacité globale du système qui est empêchée. Donc, la création des sites naturels de restauration et de renaturation répond à ce besoin d'un cadre plus propice au développement d'opérations de restauration. Et notre objectif devrait être de mieux faire coïncider l'offre et la demande, de renforcer la robustesse du modèle économique propice au développement des sites de compensation, pouvant répondre à des exigences de projets réparties sur l'ensemble du territoire. Un point très important, nous semble-t-il, c'est que la compensation par l'offre permet d'anticiper les mesures de compensation, ce qui est bénéfique à la fois pour les entreprises ayant un projet soumis à autorisation environnementale, car elle permet de sécuriser en amont l'existence d'une zone de compensation et la réalisation du projet de régénération de la biodiversité. Pour la biodiversité elle-même, fait de pouvoir anticiper les impacts sur les milieux et donc les pertes nettes de biodiversité entre le temps de la destruction et celui de la compensation.
Il y a également un bénéfice du point de vue de la transparence globale du processus et donc de la crédibilité de la démarche, puisque les résultats de la renaturation sont mesurables avant que le site ne soit impacté. Donc, le dispositif actuel des sites naturels de compensation a l'inconvénient également de ne pas pouvoir accueillir des projets qui seraient issus de démarches volontaires en faveur de la biodiversité. Or, pour parler de ce que je connais bien, les initiatives volontaires des entreprises du secteur cosmétique sont légion. Il y a une question très importante de l'impact de la biodiversité liée à l'approvisionnement des matières premières. Et donc, nos entreprises développent depuis des années des mesures volontaires de protection et de régénération de la biodiversité dans leur chaîne d'approvisionnement ou en dehors, permettant de restaurer des écosystèmes dégradés sur le territoire français aussi bien qu'à l'étranger. Donc, il pourrait y avoir énormément d'exemples. Pour n'en citer que deux rapidement, la société L'Occitane en Provence est membre actif du Conservatoire méditerranéen partagé qui œuvre pour préserver le patrimoine immatériel provençal, et que ce soit la diversité biologique des espèces aussi bien que les savoir-faire culturels. Et donc, depuis 2018, la Fondation L'Occitane a soutenu le programme Verger d'Avenir, qui a permis de préserver 200 variétés locales d'espèces d'arbres fruitiers et plantation de 4000 arbres dans 20 vergers. On pourrait également citer le groupe Yves Rocher sur leur site historique de la Gacilie. Ils mènent de nombreux projets de préservation de la biodiversité, tels que la préservation d'espèces rares ou menacées en collaboration avec le Conservatoire national botanique de Brest. Des sites industriels du groupe sont certifiés par la LPO depuis 2009 pour une superficie totale de 47 hectares. Donc, intégrer des démarches volontaires dans la SN2R répond à une attente et permet de capitaliser sur un marché entre guillemets qui existe déjà de toute évidence. Le fait de passer par des projets validés par l'État est un gage de sérieux qui sécurise les projets de compensation. Donc, je l'ai déjà dit, il s'agit de renforcer la crédibilité de ces démarches volontaires, la qualité des opérations conduites, le contrôle de l'efficacité de la restauration, les mesures de suivi et d'efficacité de la compensation, y compris de la biodiversité dite ordinaire des espaces urbains et périurbains. Donc, les entreprises de la cosmétique sont particulièrement attachées à la réduction des impacts de leurs activités économiques, et par leur taille relativement réduite, ces entreprises représentent un laboratoire d'expérimentation et de protection de la biodiversité. Pour conclure, donc, le secteur industriel que je représente accueille favorablement la création des SN2R qui semblent de nature à faciliter le développement de la compensation par l'offre. Toutefois, la réussite des SN2R sera très liée à la question de la disponibilité et de la cohérence géographique des sites de compensation. Le succès global de la séquence ERC repose avant tout sur son application rigoureuse, mais aussi sur la planification territoriale et la combinaison des solutions de compensation à l'échelle des territoires. La simplification des conditions d'agrément doit aller de pair avec le renforcement de la pertinence écologique des sites, notamment dans leur contribution en termes de continuité écologique, avec une multiplication d'offres pouvant correspondre aux différents sites industriels dont la loi Industrie verte souhaite encourager les implantations. À cette fin, il nous semble nécessaire de développer des synergies entre acteurs économiques, collectivités et élus, associations de protection de l'environnement. Les élus et collectivités sont les experts de leur territoire, les associations environnementales, des guides essentiels quant à la méthode, et les entreprises peuvent apporter des financements ou cofinancements pour accélérer le développement de ces projets de renaturation. Donc la possibilité accordée dans le projet de texte aux acteurs publics d'investir directement nous semble également aller dans le bon sens. Donc une vision collective et cohérente au niveau des territoires sera bénéfique pour atteindre les objectifs de la loi Industrie verte, tout en accélérant les efforts en termes de restauration de la biodiversité. Je vous remercie. Merci. Madame Ferry, la parole est à vous. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, membres de la Commission, je vous remercie pour votre invitation du CEREMA, du Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement. Quelques mots peut-être sur le CEREMA que vous connaissez bien sans doute. Nous sommes sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, mais nous avons très récemment ouvert notre gouvernance aux collectivités locales. Donc nous sommes le premier établissement public qui est à la fois sous gouvernance État et collectivité. Nous avons tenu un conseil d'administration hier qui a permis d'acter que nous avons dépassé 700 collectivités adhérentes, ce qui nous permet à la fois une force d'intervention beaucoup plus importante au niveau opérationnel et surtout d'entretenir un dialogue beaucoup plus fort, y compris sur ces questions, avec les collectivités. Bien sûr, nous continuons aussi de travailler en lien avec le secteur privé et associatif, bien sûr, pour enrichir nos expertises. Alors, par rapport au thème de la commission aujourd'hui qui nous est proposé, le sujet de la biodiversité est traité par les équipes du CEREMA.
Il est traité à la fois sous l'angle de l'accompagnement des collectivités sur leurs projets, sur leurs stratégies d'intervention, mais aussi également au niveau des directions d'administration centrale sur la mise en œuvre des politiques publiques et bien sûr de l'outillage national. Le positionnement du CEREMA sur la biodiversité se situe donc à l'interface avec l'aménagement. On retrouve bien sûr les sujets de l'évaluation environnementale, de la séquence éviter, réduire, compenser, les sujets de nature en ville, avec les solutions d'adaptation fondées sur la nature, notamment la revégétalisation urbaine, la multifonctionnalité des sols, ou encore l'interface avec les infrastructures linéaires de transport, comme les passages à faune. Le directeur général dit souvent que le CEREMA est le seul expert au monde des crapauducs, pour illustrer. Pour en venir plus précisément sur le sujet des sites naturels de restauration et de renaturation, tout d'abord sur le sujet du besoin de compensation. Le besoin d'identification des mesures de compensation nous paraît absolument nécessaire. Le déploiement de mesures de compensation est nécessaire, notamment pour plusieurs raisons, et y compris quand on applique correctement justement la séquence éviter, réduire, compenser. Alors les raisons sont bien sûr que certains projets présentent des contraintes de localisation très fortes, par exemple les sites portuaires. Les projets ont des configurations également qui ont des incidences qui ne peuvent pas être entièrement réduites ou évitées. Je prenais l'exemple justement des infrastructures linéaires de transport qui, par leur longueur, vont être amenées évidemment à couper des corridors écologiques ou affecter certains habitats, et ce, malgré les études préalables de tracés. Finalement, dans le contexte actuel, la mobilisation de l'ingénierie au service de la séquence éviter, réduire, compenser, voilà, nous paraît primordiale. Pour exemple, justement, là, la politique de réindustrialisation portée par ce projet de loi, dont les ambitions sont bien référencées dans la démarche France 2030. Mais aussi, on peut citer la nouvelle politique énergétique du pays qui vise justement l'atteinte des obligations européennes en matière de réduction des émissions, mais aussi la volonté d'indépendance et qui doit à présent accélérer davantage les énergies renouvelables avec le photovoltaïque, l'éolien bien sûr. Et puis une nécessité de limiter l'artificialisation des sols, hein, et donc progressivement il faudra aussi compenser par une renaturation les espaces qui auraient été artificialisés. Donc la notion d'artificialisation nette et la cohérence bien sûr avec le ZAN nous paraît primordiale. À titre d'exemple, les seuls besoins des projets de l'État qui ont été recensés là, auprès des préfets par le ministère identifient une superficie de 15 000 hectares de compensation nécessaire pour les 10 prochaines années. Pour en revenir sur la mise en place des sites naturels de restauration et de renaturation, en réformant justement, ça a été cité, les sites naturels de compensation, c'est bien effectivement un dispositif de compensation par l'offre, hein, qui est différente de la compensation par l'acte. Cette compensation par l'offre est bien une solution qui permet de développer des mesures écologiques plus intégrées, mariant justement habitat, faune, flore, fonctionnement écologique, mais elle permet aussi un meilleur suivi dans le temps de la gestion de ces espaces et leur assure une plus grande pérennité. Donc le bon suivi des mesures de compensation nous apparaît étant comme le vrai sujet. Pour autant, nous souhaitions aussi souligner auprès de vous quelques points de conditions de réussite ou d'attention apportées pour le déploiement de ce dispositif. Tout d'abord, pour que les sites naturels de restauration et de renaturation constituent de vraies solutions aux situations rencontrées par les porteurs de projets, et notamment les maîtres d'ouvrage, ils doivent être en nombre suffisamment important. Ça a été cité également, à proximité géographique, fonctionnelle avec les projets compensés et en variété suffisante de contenu pour couvrir la gamme des besoins en mesures locales récurrentes. Il y a aussi, par ailleurs, un vrai besoin de facilitation et de sécurisation des dispositifs, car on le voit bien, les porteurs de projets vont vers les solutions qui présentent le moindre risque. Le risque est bien sûr lié au contenu des mesures, leur traçabilité, du régime juridique et bien sûr des recours associés, mais aussi en termes de calendrier de mise en œuvre. Le temps fait beaucoup peser dans le choix de faire ou ne pas faire. Cela se mesure sur les appels à projets de la CRE, par exemple, dont les dossiers préautorisés sont connus à 6 mois. L'opportunité d'un équipement industriel, lui, est connue dans une configuration de marché et dans la même situation.
Donc on voit bien cet aspect très important du temps. Il y a aussi, par ailleurs, un besoin de fonctionnalité écologique des futurs sites qui doit impérativement être assuré. Un espace naturel non connecté au corridor écologique n'aurait pas de sens. Alors l'article prévoit bien, mais il serait utile de définir aussi des configurations attendues. Il y a un besoin, nous pensons, de caractérisation générale et de typologie, taille minimum, localisation, zone humide, espace boisé, insectes, oiseaux, etc. Enfin, le foncier, comme on le sait, est rare. Les mesures de compensation sont bien sûr difficiles à mettre en place dans ce contexte. Et ces sites ne sont pas aisés à déployer, on le voit bien jusqu'à présent. Donc une attention devra être portée aux acquisitions, bien sûr, et au marché, ça a été cité, des unités de renaturation et de restauration, notamment dans la possibilité, pour rejoindre mon propos précédent, d'une acquisition anticipée hors projet. Cela sécurise bien sûr le ou les futurs gestionnaires de sites, mais cela risque de ne pas servir aux porteurs de projets n'ayant pas forcément la trésorerie d'acquisition ou n'ayant tout simplement pas anticipé la démarche. Donc les sites naturels de restauration et de renaturation nous paraissent une solution intéressante. Elle n'est pas non plus la seule. Il y aura toujours de la compensation possible à l'acte, qui forme finalement ensemble des mesures qui ne sont pas toujours bien intégrées, mais plus ajustées aux incidences d'un projet et sera plus proche en localisation fonctionnelle. Il ne faut pas non plus oublier, donc l'ordre de la séquence, éviter, réduire, compenser. L'évitement et la réduction restent bien sûr les meilleures façons de ne pas avoir des incidences notables. Elles permettent aussi de restreindre efficacement les besoins de compensation, de fait. Donc il ne faut pas dédouaner de leurs responsabilités les personnes publiques responsables de l'élaboration des plans et des programmes dès ce stade, et notamment ceux concernant les documents d'urbanisme. Réglementairement, ils doivent faire l'objet aussi d'une séquence ERC. Ils sont souvent les meilleurs lieux justement pour organiser en amont l'évitement et ne pas reporter les besoins de compensation au stade des projets. Et je m'en arrêterai là pour respecter le temps. Merci. Merci pour votre propos introductif. Nous en venons aux orateurs de groupe pour 2 minutes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Anthony Brosse. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Directrices, Monsieur, chers collègues. Le projet de loi Industrie verte que notre Assemblée examinera début juillet porte une ambition importante, celle de réindustrialiser encore plus notre pays, comme nous le faisons depuis 2017. Réindustrialiser la France, oui, mais pas de n'importe quelle manière. Il nous faut verdir nos outils de production afin de réduire l'empreinte carbone de notre pays, pour réaliser nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et pour limiter le réchauffement climatique. La semaine dernière, en commission, nous examinions la proposition de loi sur la mise en œuvre du ZAN. Il s'agissait déjà de protéger la biodiversité de notre impact. Si la construction de sites plus vertueux permettra de réduire nos importations de produits et créer de l'emploi local, les conséquences sur la biodiversité ne sauraient être nulles. Avant même de corriger nos atteintes à la biodiversité et les compensations possibles pour la protéger et la restaurer, il nous faut identifier les mesures à même de les prévenir. Ainsi, pour accélérer l'implantation de nouvelles usines, la procédure d'autorisation environnementale sera simplifiée, l'instruction par les services et par l'autorité environnementale et la consultation publique seront menées de front, avec objectif de diviser par 2 les délais de délivrance des autorisations de 18 mois en moyenne aujourd'hui à 9 mois. Cette réduction des délais vous semble-t-elle de nature à porter atteinte à la biodiversité, ou est-ce que les consultations menées en parallèle ne porteront pas atteinte aux études qualitatives ? Concernant la compensation des atteintes à la biodiversité, qui vise à éviter des pertes nettes de la biodiversité, voire à en gagner, pouvez-vous nous indiquer si un organisme est actuellement chargé de vérifier la bonne exécution des actions compensatoires, dans quel délai, et si vous estimez nécessaire de renforcer ce pôle ? Permettez-moi avant de conclure de remercier Yanis Souidis, stagiaire auprès de mon équipe, pour l'aide apportée à la rédaction de mon intervention. Merci pour ce propos et merci pour le stagiaire qui œuvrait à vos côtés. Voilà. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Joris Beauvais. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Directrices, merci pour vos interventions. Aujourd'hui, nous n'imaginons pas concevoir quelque projet que ce soit sans considérer son impact sur l'environnement. La loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité donne les principes de la vision et, éviter, réduire et compenser. Néanmoins, le code de l'environnement reste flou sur les modalités de mise en œuvre. Il n'existe pas de cadre méthodologique pour l'ensemble du territoire. Les méthodes varient entre les bureaux d'études et donc les résultats en termes de surface et d'éléments compensés varient également.
On peut imaginer qu'il existe certains biais en fonction de la zone dans laquelle se trouve le projet. Donc plusieurs points nous questionnent. Par rapport au territoire sur lequel sont compensées les atteintes à la biodiversité, on ne compense pas une zone humide n'importe où. Pouvez-vous nous éclairer sur le rôle des terres agricoles dans la compensation? Cette compensation pourrait passer par les mises en jachère obligatoires, pouvant mettre à mal notre sécurité alimentaire et déranger le droit à la propriété. Sur ce point, la loi Industrie verte nous amènera à discuter des sites naturels de restauration et de renaturation comme site de compensation anticipée. Pouvez-vous nous donner votre vision sur cette mesure? Enfin, quel est le coût pour une entreprise de mettre en place ces compensations? Comment sont-elles accompagnées dans l'élaboration des dossiers? La couche administrative supplémentaire que cela doit représenter n'est-il pas un frein au développement de certaines d'entre elles? Je vous remercie. Merci pour le groupe La France Insoumise NUPES. La parole est à Manon Meunier. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, si demain vous rasez un hectare de forêt d'arbres centenaires et que vous replantez un hectare de forêt sur une autre parcelle nue pour compenser en veillant à reprendre plus ou moins les mêmes essences, est-ce équivalent? Eh bien non, parce que vos vieux arbres centenaires ont certainement commencé à se creuser et la faune y a contribué. Un pic noir a creusé par là, les insectes ont aidé parfois, bref, une belle cavité est là. Et cette cavité, elle est unique. Elle met du temps à se créer, elle n'existe pas chez les jeunes arbres. Et pourtant, elle est le refuge privilégié par ici d'une chouette, la chouette de Tegmalm, ou par là de chauves-souris, comme le murin de Bechstein par exemple. Alors détruire cet hectare de forêt, c'est détruire un hectare d'arbres et de leurs occupants, mais c'est aussi détruire un hectare de milieu spécifique que seul le temps long peut reconstituer. Vos jeunes arbres replantés n'y pourront donc rien. Et c'est cette destruction d'habitat qui est la première cause de la chute vertigineuse de biodiversité à laquelle nous assistons. Cette chute entraînant avec elle l'équilibre fragile des écosystèmes dont nous dépendons toutes et tous. Cette chute entraînant avec elle le simple droit des générations futures à profiter sur cette planète d'une nature riche et vivante. Et ce gouvernement persiste et signe. Quand Bruno Le Maire insiste pour pouvoir artificialiser sans compter, pour créer des autoroutes privées payantes et satisfaire Vinci, ce sont ses habitats qui sont détruits. Quand ce gouvernement insiste pour pousser des projets démentiels et écocidaires comme l'A69 ou le Lyon-Turin, ce sont ses espèces qui sont détruites. Et vos mesures de compensation n'y feront rien. C'est ça que les naturalistes des soulèvements de la Terre essayent de faire comprendre à ce gouvernement sourd. C'est au nom des générations futures que la Terre se soulève. S'il vous plaît, et sachez, s'il vous plaît, chers collègues, qu'on ne dissout pas un soulèvement. S'il vous plaît. Pour les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Nous vous remercions tout d'abord de ces propos liminaires très éclairants. D'après les scientifiques, toute idée de compenser une atteinte à la biodiversité à un endroit par l'amélioration de l'état d'un autre est un leurre. C'est pourtant ce qu'a prétendu faire la loi biodiversité de 2016, votée sous un gouvernement socialiste en consacrant dans notre droit le principe dit de compensation, censé arriver en dernier recours au sein de la séquence éviter, réduire, compenser. C'est aussi ce qu'aspire à faire l'exécutif actuel qui, dans son projet de loi sur l'industrie verte, entend toiletter le dispositif des sites naturels de compensation en vue, à son article 7, de faire enfin émerger un vrai marché de la compensation. Mais pourquoi ce marché ne s'est-il toujours pas développé au bout de 7 ans? Le principe de compensation bute d'abord sur des obstacles techniques, à savoir une législation floue, le manque d'opérateurs et une absence de contrôle de l'État. Sa crédibilité, déjà fragilisée par des certitudes scientifiques encore peu étayées, est aussi largement entachée par le manque de moyens de suivi de l'OFB. Cela aboutit à un droit à géométrie variable, source d'injustice entre aménageurs. Cette usine à gaz, peine à convaincre les porteurs de projets qui en dénoncent à raison les coûts élevés et la complexité porteur de risques juridiques. Cette loi de 2016, c'est d'abord des normes et des contraintes supplémentaires pour nos entreprises et un retard équivalent à la réindustrialisation que notre pays mérite. Les amoureux authentiques de la biodiversité sont contraints de voir en ce principe la légitimation du droit à détruire et à financiariser la nature. En effet, pensez-vous que l'on peut légitimement remplacer un arbre centenaire par 10 arbres de 10 ans et considérer avoir ainsi remis en état l'ensemble de l'écosystème initial? Enherber un site ou végétaliser un mur, est-ce vraiment remplacer une prairie?
Ces comptes d'une complexité infinie devraient nous ramener à une idée simple, aussi bien politiquement que scientifiquement, celle qu'on ne saurait se donner bonne conscience en reconstruisant mal ailleurs ce qu'on détruit ici. Soit on compense, car on a la possibilité de le faire à proximité du site endommagé, encore faut-il avoir le foncier disponible, soit le projet doit être revu. Mais il y a, mesdames et messieurs, quelque chose de malsain à se livrer à ce marchandage de la nature, d'autant plus que cela jette sur tous les projets industriels une présomption de culpabilité, alors que réindustrialiser la France, ce sont des milliers de porte-conteneurs et de camions évités à forcerie pour des projets structurants tels que le canal Seine-Nord ou le Lyon-Turin. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Hubert Hoth. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs, chers collègues. En abordant aujourd'hui la compensation des atteintes à la biodiversité, nous reconnaissons explicitement une incompatibilité fondamentale entre une grande part de l'activité humaine et la préservation du vivant en général. Le simple fait d'en être arrivé là doit nous interpeller de manière cruciale. Même si cela devait être une évidence, il est plus que jamais utile de rappeler que tout ce qui porte atteinte au vivant menace l'humanité. L'activité humaine doit servir l'expression et l'épanouissement des êtres humains et non pas asservir et porter atteinte à leurs conditions d'être vivants. Une biodiversité malmenée, au point que des groupes d'animaux et de végétaux soient globalement menacés de disparition, est un véritable voyant rouge qui doit exiger de nous un changement de cap complet dans notre façon de concevoir nos activités en retrouvant le lien avec notre planète. Avec une chute de 80% des insectes, de 60% des oiseaux rien qu'en Europe, ou encore la menace d'extinction qui pèse, je dis bien d'extinction, qui pèse sur le groupe des batraciens, nous payons le prix de 5 décennies de diffusion de véritables poisons dans l'environnement et dans ses compartiments essentiels, l'eau, les sols et l'air. Qu'il s'agisse du particulier, des entreprises, de l'industrie ou du secteur agricole, chacun a sa part de responsabilité, dans ce bilan. Seul un changement profond avec de nouvelles pratiques qui n'auront plus recours à des substances incompatibles avec le fonctionnement même du vivant et qui par ailleurs respecteront l'intégrité des milieux naturels, des espaces et des biotopes aquatiques ou terrestres, permettra de stopper cette nouvelle grande extinction qui a commencé. Dès maintenant s'impose à nous tous l'obligation de mettre en place des réponses compensatrices immédiates pour stopper au plus vite l'hémorragie de disparition des espèces. Parmi les acteurs de l'économie, de nombreux capitaines d'industrie ne demandent qu'à contribuer à cet effort pour la sauvegarde de la vie. Il est donc de notre devoir de les éclairer sur la manière la plus adaptée pour chacun d'eux de contribuer à cette restauration du vivant. Ainsi, quels sont selon vous les leviers et les politiques publiques à mettre en place pour inciter chaque entreprise impactante pour l'environnement à déployer une stratégie très ambitieuse de préservation de l'environnement et de compensation de leurs atteintes à la biodiversité. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Chantal Jourdan. Merci, monsieur le président. Merci, mesdames, pour vos interventions. Le gouvernement a présenté un projet de loi industrie verte actuellement en examen au Sénat et qui arrivera bientôt à l'Assemblée nationale. Il doit favoriser des technologies décarbonées et la réduction du bilan carbone de l'industrie. Évidemment, nous partageons ces objectifs. Néanmoins, le texte présenté par le gouvernement n'apparaît pas tout à fait à la hauteur des intentions affichées du point de vue écologique. Réindustrialiser, oui, mais pas n'importe comment. Cette reconquête industrielle doit se faire en lien avec les territoires, leurs besoins et leurs ressources. L'échelle locale doit permettre de développer des projets qui s'appuient sur les spécificités et les forces en présence. Cela signifie aussi tenir compte des contraintes propres à chaque espace et notamment le respect des écosystèmes. Dans un contexte où la biodiversité connaît une crise mondiale majeure, où de nombreux écosystèmes clés se dégradent et où nous entrons dans une sixième extinction de masse des espèces, la prise en compte de la protection de la biodiversité dans toutes les activités humaines et notamment dans les activités industrielles n'est plus une option, c'est un impératif. Les impacts de l'artificialisation des sols sur la biodiversité, le stockage de carbone et les risques naturels sont largement démontrés. La logique des compensations nous paraît bien fragile et surtout bien incertaine, tant l'équilibre des écosystèmes est complexe. N'est-il pas préférable de penser et d'investir dans de nouvelles façons de produire qui limitent en amont les atteintes à la biodiversité et plus largement à l'environnement ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Anne-Cécile Violon. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, chers collègues, tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui pour répondre à ces questions essentielles et de vous être emparé de ce sujet alliant préservation de la biodiversité et santé environnementale plus que jamais d'actualité.
Alors ma question s'adresse plus particulièrement à vous, Madame Stéphanie Limbert, en tant que directrice du développement durable de la Fédération des entreprises de beauté. Un rapport gouvernemental sur la transition écologique de la filière parfums et cosmétiques en date du février 2022 souligne que les secteurs de beauté sont connus comme polluants et que l'industrie cosmétique serait responsable de 0,5 à 1,5% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Alors, proportion qui pourrait paraître cosmétique au regard des enjeux globaux, mais bien sûr que chaque contribution compte. Ce même rapport mentionne l'application Claire développée par votre fondation afin d'informer, d'alerter les consommateurs de certains produits cosmétiques, notamment sur leur caractère allergène ou perturbateur endocrinien. Donc, évidemment, démarche que je souhaite saluer au nom du groupe Santé Environnement. Ce rapport souligne cependant que les données environnementales disponibles en ligne ou sur les applications sont extrêmement limitées à ce jour. Qu'en est-il aujourd'hui ? Enfin, j'ai eu connaissance de votre rapport sur les bonnes pratiques du secteur cosmétique de juillet 2021, proposant aux industriels cosmétiques différentes pistes d'amélioration. Donc, quel est le retour des industriels membres de cette fédération ? Comment ce rapport a impacté les entreprises ? Vous avez évoqué certaines actions assez précises montrant leur volonté. Quelles nouvelles pistes d'accompagnement et d'amélioration pour continuer sur cette lancée afin de placer au cœur de vos travaux la compensation des atteintes à la biodiversité dans le monde industriel ? Et à l'instar de notre collègue Anthony, je souhaiterais remercier aussi ma stagiaire Floriane qui a contribué à cette rédaction. Si notre commission peut aussi mettre en lumière le rôle essentiel de nos stagiaires, bravo. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président, Madame Ferry, Madame le Maire, Monsieur Aubled. La compensation des atteintes à la biodiversité, représentée par le C dans la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, vise avant tout à éviter les dommages à l'environnement et dans un second temps, les réduire autant que possible pour ne les compenser qu'en dernier recours. Cependant, il semble que toutes sortes d'arrangements soient possibles en matière de compensation et la logique à l'œuvre est bien souvent d'approuver les projets d'aménagement considérés comme source de croissance économique et d'emploi en utilisant la compensation comme outil de compromis ou d'acceptabilité. Or, les mesures compensatoires ne doivent pas être considérées comme un droit à détruire qui se substitue à une réflexion préalable sur l'intérêt et le sens réel des projets ayant un impact. Il est indispensable de se demander en amont si le projet satisfait à un besoin réel et s'il répond aux critères d'utilité publique justifiant la destruction de milieux naturels. Les arrangements ad hoc sans transparence ni méthode d'évaluation harmonisée représente un risque. Une étude scientifique réalisée par le Muséum National Naturel et Agrotech Paritech a par ailleurs révélé que dans 80% des cas, les objectifs de compensation ne sont pas atteints, la destruction des milieux naturels étant supérieure aux bénéfices en termes de biodiversité obtenus par la compensation. Pour éviter l'éco-blanchiment des projets, il est donc crucial, compte tenu des lois à venir, de veiller à préserver la doctrine ERC. Cela pourrait par ailleurs impliquer la création d'un organisme de contrôle véritablement indépendant, chargé de garantir de manière objective les mesures de correction des atteintes à la biodiversité et d'éviter les conflits d'intérêts où l'État, la plupart du temps à l'initiative des projets importants, est à la fois jugé parti. Enfin, il est essentiel de ne pas assouplir le principe de proximité compensatoire entre le lieu du projet et celui de la compensation pour éviter des déséquilibres territoriaux, avec d'un côté des espaces où les écosystèmes seraient préservés et de l'autre des zones d'urbanisation et d'industrialisation. Il est de notre responsabilité de préserver l'équité territoriale et une continuité écologique en bon état partout sur le territoire. Merci pour le groupe gauche démocrate et républicaine. Donc Monsieur Vulfrand n'est pas là. Permettez-moi, vous savez l'attachement que j'ai pour lui, de lui souhaiter un prompt rétablissement, puisqu'il ne peut pas être là pour des raisons médicales. Pour le groupe Liberté, indépendant Outre-mer et territoire, la parole est à Benjamin Saint-Huil. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames, Monsieur, de votre présence et de vos présentation. Moi, je me réjouis qu'on parle encore une fois dans cette commission de biodiversité, mais je m'inquiète que nous le fassions dans le cadre du projet Industrie Verte, parce que, objectivement, le souhait affiché du gouvernement, c'est la réduction des délais administratifs pour permettre la réindustrialisation de la France. En cela, nous pouvons considérer que c'est un but et un objectif que nous pouvons partager. Mais quand on parle de biodiversité à travers un projet de loi qui vise à accélérer les procédures, il y a une forme, si pas d'inquiétude, au moins de pression qu'on ne peut pas négliger. Moi, je voulais revenir un instant sur ce que vous avez présenté, mesdames. D'abord pour dire que, et je rejoins le collègue Thierry qui s'est exprimé juste avant, la question qu'on se pose de manière générale, c'est comment on fait
pour que les dispositifs retravaillés sur la compensation ne viennent pas légitimer le fait qu'on facilite et qu'on oublie les deux premiers pans de la question, éviter et réduire. Parce que le sentiment que je peux avoir, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on est en train de donner du flex, donner du mou, donner de la souplesse à la compensation qui aujourd'hui ne fonctionne pas, tout le monde le rend convient, parce qu'on veut accélérer sur la question de la réindustrialisation et que cela se fera au détriment de éviter et de réduire. Et donc, les propositions qui ont été émises, et je le souligne parce que ce n'est pas toujours le cas, je les partage, sur la manière dont on pourrait garantir une forme d'outil indépendant qui vérifierait cette capacité à éviter et à réduire. Et sur la compensation elle-même, moi je voudrais que vous puissiez nous dire si à l'échelle européenne, peut-être, il existe des dispositifs comparables sur lesquels on pourrait s'appuyer, et de manière générale, si nous n'avons pas intérêt à essayer de cartographier les hypothèses qui sont devant nous, même si je rejoins l'idée qu'il faut une unicité entre les lieux des projets et les lieux de compensation pour qu'on ait une visibilité claire dans les gens qui portent des projets et leur capacité à anticiper les questions de compensation, à condition qu'elles soient absolument nécessaires, rendues absolument nécessaires par l'impossibilité et d'éviter et de réduire. Merci, cher collègue. Je vous laisse donc la parole pour répondre aux questions, sachant que on a déjà une 7-8 questions d'une minute par la suite. Très bien. Je vais tenter de répondre un peu globalement aux différentes interventions et questionnements qui ont pu être adressés. Effectivement, ce dispositif de mise en place des sites naturels de renaturation et de restauration, il est porté par un projet de loi industrie verte, mais finalement, le sujet, il concerne tout autre projet, tout autre politique, finalement, effectivement. Les démarches qui sont mises en œuvre dans le cadre d'une étude d'impact, d'une évaluation environnementale, et son jugement, la qualité des travaux qui sont produits, il n'y a toujours pas de jugement d'opportunité des projets qui sont présentés, mais l'appréciation de la qualité, de la prise en compte de l'environnement et de l'adaptation, la pertinence des mesures d'évitement, de réduction, de compensation qui sont présentées. Donc ça, c'est vraiment le dispositif un peu général. Bien évidemment, il faut ne pas porter atteinte à la biodiversité et à l'environnement comme préambule. On parle de la compensation, tout se joue, hein, c'est bien une séquence, et la séquence est bien dans l'ordre. L'évitement, ne pas avoir d'incidence avant de réduire, avant d'aller chercher à compenser, où là on rentre dans des situations un petit peu compliquées. Donc cet évitement, on le redisait, Annabelle Ferry le mentionnait, il y a la responsabilité des personnes publiques, des collectivités dans leur élaboration des plans, programmes, schémas, documents d'urbanisme qui vont aller être une période très importante de l'évitement. Une fois qu'on a déterminé un site de zone d'activité ou de futur aménagement urbain, pour l'aménageur, pour le porteur de projet, il va difficilement se soustraire de ce site et de cette localisation, et le projet va endosser la responsabilité d'aller prendre des mesures qui parfois ne pourra pas éviter et réduire les incidences. Donc la responsabilité vraiment de l'évitement des incidences, c'est déjà au niveau du travail de l'élaboration des politiques thématiques sectorielles et les politiques d'aménagement et d'urbanisme. L'évolution réglementaire aussi, on le voit, le projet de zéro artificialisation nette dit bien une réduction de la consommation d'espace avec un objectif 2050 de zéro artificialisation, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de s'étendre, refaire la ville sur la ville, refaire l'entrepôt sur l'entrepôt, garder cette neutralité. Il y a un projet aussi de réglementation européenne sur la restauration en 2024 des sites. Alors l'objectif est 30% d'ici 2030 et 100% en 2050. Donc l'idée, on est bien sur l'arrêt de l'atteinte, quel que soit le sujet, des incidences sur l'environnement et de la biodiversité, bien évidemment. Sur le risque de rentrer dans une marchandisation de la biodiversité, de la compensation,
Voilà, je pense que la réponse des sites naturels de restauration et de renaturation, qui sont bien une compensation par l'offre, c'est-à-dire le fait d'avoir une proposition intégrée, bien suivie, bien menée, eh bien cette offre intégrée, elle est aussi en parallèle aussi avec des offres à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a aussi en parallèle une situation où tous les porteurs de projets aujourd'hui mettent en œuvre des mesures de compensation. Ce n'est pas leur métier, c'est compliqué, il n'y a pas de foncier, et il y a une situation de saturation. Alors, quand on porte atteinte à des espèces protégées, que ce soit la faune, la flore ou même l'habitat, il y a toujours ce préambule pour avoir une autorisation d'espèces protégées qui est de souligner l'intérêt public majeur du projet. On est bien sur le fait de ne pas rentrer dans une démarche quelconque d'acquisition hors projet, hein, c'est quelque chose que l'on soulignait, parce que la saturation du foncier, on est vraiment aujourd'hui dans une pénurie de foncier, avec toutes les attentes que porte l'habitat, l'activité, les transports sur ce foncier. Eh bien, si la création de ces sites peuvent composer une vraie offre sur la compensation, il faut préserver, il faut maintenir ces solutions au bénéfice des projets d'importance qui seront retenus, bien évidemment. Sur la question du suivi, effectivement, c'est un constat qui est dressé au niveau national sur la qualité des suivis. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode standard d'évaluation des gains écologiques des projets. C'est vrai, c'est compliqué parce qu'il faut déjà réussir à mesurer scientifiquement la perte, l'incidence du site. Et puis par ailleurs, se projeter sur le site de la compensation pour mesurer finement aussi le gain sur le site d'écologie, de potentiel écologique. Cela aujourd'hui est assez compliqué, il n'y a pas de méthode standard, et c'est vrai que cela demande des travaux et des discussions au niveau de chaque projet. Alors c'est aussi le propre de projet par projet de venir discuter des situations. Effectivement, quand on va avoir des zones humides, des pelouses sèches, différentes atteintes différentes, eh bien l'autorité environnementale a une procédure qui s'appelle l'examen au cas par cas, hein, ça porte bien ce nom, que de venir regarder. La réalité est complexe, hein, la nature, c'est pas une norme ISO, il faut s'adapter aussi aux situations et aux enjeux. Alors, je citais l'autorité environnementale, c'était une interrogation sur comment est-ce que ce projet de loi, finalement, en matière de réduction des délais, effectivement, il y a un dispositif qui permet, j'ai oublié le nom de l'article, je crois que c'est l'article 2 ou 3 qui mentionne cette accélération. Sachant que l'autorisation du projet, ce n'est pas l'autorité environnementale hein, qui prend cette décision, c'est bien un éclairage, les contributions et les consultations sont faites en amont. J'aurais tendance à dire que la situation de l'autorité environnementale en France, qui est bien ce dispositif européen traduit dans les États et qui est indépendant de l'État et qui, dans sa réglementation, désigne à chaque fois une structure indépendante vis-à-vis du porteur de projet. Et lorsque l'État est porteur du projet, c'est bien une formation indépendante des ministères qui est désigné pour suivre ce projet. Voilà, aujourd'hui, les moyens de l'autorité environnementale, je crois que c'est un récurrent de tous les rapports d'activité de l'AE en France, le manque de moyens. Je pense que c'est principalement ça aujourd'hui, les besoins. Je ne sais pas si effectivement la réduction des délais n'aide pas, mais aujourd'hui, c'est le manque de moyens de cette autorité environnementale qui pose surtout question vis-à-vis de l'efficacité de leur fonction. Sur l'organisme indépendant, voilà, je répondais, hein, c'est bien l'autorité environnementale qui est désignée, c'est bien une réglementation européenne avec une obligation, avec une réglementation qui évolue au fur et à mesure régulièrement, notamment récemment l'introduction de la clause filet qui, en dehors de la codification du code de l'environnement, permet de rappeler et de soumettre à étude d'impact ou évaluation environnementale des projets qui ont des incidences sur l'environnement, tout projet qui a des incidences sur l'environnement. Je ne sais pas s'il y a des compléments, d'autres interventions sur les questions.
je vais peut-être répondre à mon tour à quelques points. Tout d'abord, je voudrais vraiment insister sur le fait que nous sommes ici pour parler de compensation, mais la compensation, c'est bien l'ultime étape d'une séquence, éviter, réduire, compenser. Et donc, il n'est absolument pas question, lorsqu'on discute d'aménagement ou de facilitation du processus, de la méthode pour essayer de développer l'offre de compensation, de court-circuiter les deux premières étapes qui sont absolument indispensables et qui sont vraiment le préambule à tout projet. Donc voilà, c'est très important. Nos entreprises ne réclament pas de pouvoir passer en priorité par une compensation sans avoir à passer par les deux autres séquences. Et je tiens aussi à dire qu'il s'agit pour les industries que je représente aussi une forme de sécurisation. C'est-à-dire que il faut un mode de fonctionnement très lisible, quelque part, sécurise les cas où la compensation serait in fine inévitable. Donc le fait de renforcer la doctrine est un gage de sécurité pour nos entreprises. Justement, dans la partie éviter, on a, et c'est abordé à plusieurs reprises dans le projet de loi Industrie verte, la possibilité d'utiliser des friches industrielles, notamment pour le développement de nouvelles activités, qui nous semble être quelque chose de tout à fait favorable, puisque ce sont des espaces qui ont déjà été artificialisés. Donc, comme tout ce qui concerne la biodiversité, la mesure est très complexe et donc la compensation l'est également. Tout de même, donc, une approche qui a été faite avec l'OFB sur une approche standardisée du dimensionnement de la compensation écologique. Il y a un guide de mise en œuvre qui a été rédigé en collaboration avec le CEREMA. Donc, voilà, ce n'est pas, comme vous dites, ce n'est pas une norme ISO, ce n'est pas quelque chose un tableau qui puisse être de manière cochée des cases, de manière parfaitement standardisée. Mais en revanche, il existe quand même un certain nombre d'outils qui permettent de guider dans cette démarche. Ensuite, j'ai été sollicitée par Madame Violant sur le secteur cosmétique que je représente particulièrement. C'est vrai qu'on a des entreprises qui sont extrêmement attachées à des démarches, notamment volontaires, pour réduire leur impact. Donc, il ne s'agit vraiment pas de compensation, mais vraiment de réduire et d'éviter les impacts négatifs, au maximum en tout cas des activités économiques. Donc oui, vous faites référence, je pense, à un guide sur la biodiversité que nous avons édité avec toute une série d'exemples qui concernent les chaînes d'approvisionnement, donc l'accompagnement de producteurs, que ce soit sur le territoire français ou à l'étranger. La notion d'économie de l'eau aussi est un sujet très important. Circularisation des emballages. Nous avons été un des premiers secteurs à avoir une feuille de route de réduction de l'empreinte plastique. C'est vrai que la FEBEA dans laquelle je travaille et tous nos adhérents sommes extrêmement attachés à être très proactifs sur toutes ces questions à limiter, comme je disais, au maximum cette empreinte. Il y avait beaucoup d'exemples, mais on est voilà, la compensation finalement n'est vraiment qu'un dernier échelon et que l'on souhaite à tout prix éviter. Mais nous en venons aux questions. Question de Yannick Horry. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, en 2018, le CEREMA publiait un ouvrage intitulé « Compensation écologique des cours d'eau, exemple de méthode de dimensionnement » pour présenter les méthodes de dimensionnement de la compensation écologique utilisables dans le cas d'atteinte aux cours d'eau. En effet, l'obligation de compensation concernant ces cours d'eau était moins bien intégrée par les maîtres d'ouvrage que pour les autres milieux. Il était donc paru nécessaire de diffuser des outils méthodologiques ciblés sur ce sujet. Depuis, en 2021, afin d'éviter de réduire et de compenser, un guide plus global dont vous venez de nous parler concernant tous les milieux a été publié pour permettre l'approche standardisée de dimensionnement de la compensation écologique. Où en est-on aujourd'hui concrètement sur la mise en œuvre des compensations écologiques des atteintes aux cours d'eau ? Ont-elles rattrapé le retard de déploiement ? Merci. La parole est à Sophie Panonacle.
Merci, Monsieur le Président. La saison estivale approche et à raison, nous allons protéger nos visages et nos corps avec des crèmes solaires. Alors quoi de plus normal d'utiliser ces produits ? Ces crèmes ont un impact sévère sur nos organismes, sur la biodiversité marine et notamment sur la qualité des eaux pour la conchyliculture qui en est fortement impactée. Il s'agit effectivement de... Elles contiennent des substances nocives, des filtres organiques à UV comme le butyparadène, l'oxybenzone. Une première réponse des industriels a été de revenir à l'usage des filtres minéraux, par exemple les dioxydes de zinc ou de titane. Mais nous savons aussi que leurs nanoparticules entravent la croissance du phytoplancton, bouleversant tout l'écosystème marin. Alors Madame Lambert, pouvez-vous nous dire quelles solutions prévoyez-vous, au-delà du t-shirt et du bob, pour faire évoluer la composition des crèmes solaires ? Vous l'aurez bien compris, il n'y a pas de possibilité de compensation quand on parle d'océan, mais uniquement d'évitement. La parole est à Daniel Brûlebois. Monsieur le Président, ma question s'adresse plutôt au CEREMA. Vous faites un travail important sur le recyclage des friches industriel, commercial. Par contre, il y a un autre phénomène d'enfrichement, c'est l'enfrichement naturel qui est une perte importante de biodiversité, d'espèces typiques et souvent protégées. C'est dû à l'exode rural et à la disparition du pastoralisme. Donc, pouvez-vous nous dire quelles actions sont menées par le CEREMA sur cet enfrichement ? Merci. La parole est à Pierre Vatin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, a déjà été évoqué ici l'article 7 du projet de loi sur l'industrie verte d'accélérer le recours à la compensation. Mais le gouvernement paraît se contenter de rebaptiser les sites naturels de compensation créés en 2016, ce qui sera assez peu efficace. Ces sites ont-ils permis d'enrayer le déclin de la biodiversité ? Pas vraiment, à mes yeux. Dans un rapport de 2017, le Sénat avait émis plusieurs propositions intéressantes pour garantir l'effectivité de ces mesures, pour peu qu'on en accepte la logique. Parmi elles figurait l'idée de s'appuyer sur les documents locaux d'urbanisme afin de mieux identifier les terrains à potentiel de réserves naturelles. Par ailleurs, partagez-vous le constat que le consensus scientifique autour de la définition d'équivalence entre un hectare détruit et un hectare restauré est encore trop fragile ? Les seuils de déclenchement des obligations sont-ils toujours pertinents ? Qui seront les experts censés évaluer l'absence de perte nette de biodiversité ? Je vous remercie. Merci, la parole est à Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Le principe d'équivalence et de proximité de la compensation pose la question de la disponibilité des terrains et suppose d'avoir la maîtrise foncière des parcelles susceptibles de compenser ces atteintes à la biodiversité. La rareté des terrains disponibles à la vente ou encore le coût du foncier rend difficile le recours à cette solution de site naturel de compensation que la loi prévoit de rebaptiser site naturel de restauration et de renaturation. Une difficulté que vont immanquablement accroître les contraintes découlant de la mise en œuvre du zéro artificialisation net. Sans réouvrir le débat sur le fait que le principe de compensation ne doit pas légitimer une atteinte à la biodiversité, ne craignez-vous pas que le recours à ces sites de compensation ne se traduise pas, in fine, par une mobilisation foncière en milieu rural en contrepartie de déploiement de projets dans des zones plus denses ? Merci. La parole est à Jean-Pierre Vigier. Oui, merci Monsieur le Président et merci aux intervenants pour leur exposé. Vous le savez, le monde agricole occupe une place particulièrement importante dans les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Par exemple, dans le cadre d'un projet d'aménagement, l'économie agricole locale est souvent affectée par la mise en œuvre de mesures compensatoires. À cet égard, un rapport d'enquête sénatoriale recommandait en 2017 de réduire l'empreinte de la compensation écologique sur le foncier agricole en la priorisant sur des terres moins productives. Premier point. Deuxième point, vous le savez, la dimension économique de la compensation est également essentielle. Pour le monde agricole, il est indispensable de mieux rémunérer les agriculteurs sollicités en vue de mettre en œuvre la compensation sur les terrains agricoles. Ces efforts conditionneraient l'acceptabilité de la compensation écologique pour de nombreux exploitants. Aussi, avez-vous identifié une réelle prise en compte de ces enjeux ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicolas Rey. Oui, merci Monsieur le Président. Trois questions pour compléter nos débats. Ne pensez-vous pas tout d'abord qu'il conviendrait de renforcer notre politique de reconversion des friches industrielles pour réutiliser tout simplement des surfaces déjà artificialisées ?
Deuxième question, comment pensez-vous que nous pourrions davantage valoriser comptablement et financièrement tous les efforts réalisés par nos acteurs économiques en matière de biodiversité et de compensation? Et enfin, quelle politique fiscale il conviendrait de mettre en place pour accompagner nos acteurs, aussi bien les particuliers que les professionnels, pour les accompagner et réduire le coût lié aux obligations de compensation? Merci. Merci. La parole est à Stéphane Buchou. Merci, Monsieur le Président. Désolé pour le retard. Mesdames, Messieurs, merci pour vos interventions. Aujourd'hui, la France est confrontée à un double enjeu, celui d'une réindustrialisation qui soit décarbonée, tout en protégeant ses milieux naturels. Ainsi, les compensations aux atteintes à la biodiversité lors de nouvelles installations comme celles des énergies renouvelables sont essentielles. Les filières telles que l'éolien terrestre l'ont compris avec la mise en place de mesures concrètes sur les différents parcs. Par exemple, le parc éolien du chemin d'Avennes a passé un contrat avec un agriculteur local pour qu'une parcelle soit en permanence cultivée avec l'alimentation du goéland cendré afin de favoriser son retour. Bien que plus récente, la filière de l'éolien offshore s'engage avec des innovations dans la construction en elle-même. C'est le cas des éoliennes flottantes qui, avec des points d'ancrage plus faibles, permettent une diminution de l'impact sur la faune marine. Je voulais vous interroger sur ces compensations, sur l'implantation de ces énergies renouvelables. Est-ce qu'elles sont suffisantes et est-ce qu'elles participent, selon vous, à une meilleure acceptabilité de ces projets? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Hubert Hott. Merci, Monsieur le Président. Je voulais compléter un point important qui a été évoqué par plusieurs collègues et notamment en ce qui concerne la stratégie éviter, réduire et compenser. Pour ne pas en arriver à la compensation, encore faudrait-il renforcer l'exigence de compensation. Et nous sommes dans une situation que j'ai rappelée tout à l'heure d'atteinte grave portée au potentiel de biodiversité générale, de sorte que la compensation, par exemple en termes de surface, ne doit pas être équivalente, mais bien supérieure à celle que l'on perdrait en cas de compensation. Et donc ainsi apporter une réponse au facteur temps qui, comme ça a été évoqué par une autre collègue, le facteur temps est essentiel dans l'élaboration de l'accueil par les biotopes du vivant. Et dans ce sens, une question bien concrète qui est celle de l'arbre: couper ou faire disparaître un arbre qui a un certain âge, ça doit induire un prix. On doit devoir payer le droit de couper un arbre. La parole est à Nathalie Bassir. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous pour vos exposés. Et je voulais... Vous avez évoqué, Madame Ferry, un besoin minimum de 15 000 hectares de projets de compensation. Avez-vous travaillé, je suis députée de La Réunion, je voulais savoir si vous aviez travaillé avec les élus locaux pour répertorier et cartographier les sites potentiels. Et vous avez également évoqué un lien entre... travailler aujourd'hui avec plus de 700 collectivités départementales. Pareil, je suis interpellée par la question de mon collègue qui vient de s'exprimer sur l'impact... des projets sur la biodiversité. Alors, est-ce qu'il y a un travail qui est mené en amont avec les élus départementaux sur les projets d'aménagement qui programment notamment l'abattage d'arbres centenaires? Et quand on parle d'industrie aujourd'hui à La Réunion, est-ce qu'on peut également parler des projets de zones commerciales ou d'aménagement urbain? Et je vous remercie. Merci. La parole est à David Valence. Oui, merci Monsieur le Président. Pour rebondir sur la question de notre collègue Nicolas Rey et lui donner peut-être une tournure un peu plus provocante, est-ce que une des solutions pour réutiliser nos friches avec des délais qui soient raccourcis ne serait pas de faire évoluer nos référentiels de dépollution qui sont parfois tellement exigeants que le coût induit, y compris parfois quelques années seulement, 2 ou 3 ans après la fermeture d'un site industriel, fait que de fait on a du mal à s'y réinstaller et qu'on est obligé de construire sur des surfaces planes. D'autres pays européens, je pense notamment à l'Allemagne, ont des référentiels de dépollution très différents des nôtres, ce qui permet une réutilisation des friches plus simple. Je vous remercie. La parole est à Huguette Tchekna.
Merci. Ma question concerne l'empreinte carbone du numérique. Aujourd'hui, nous le savons, nous avons environ 3 à 4% d'impact sur en termes d'effet de serre au niveau mondial concernant l'utilisation du numérique. J'aimerais savoir aujourd'hui si vous avez des statistiques concernant l'action des entreprises ou l'industrie du numérique sur la décarbonation et bien sûr sur les soutiens en termes de protection de la biodiversité. Merci. Est-ce que tous les collègues ont pu prendre la parole ? Monsieur Dragon, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président Zulesi, mes chers collègues. Depuis 1981, ce sont principalement des terres agricoles qui ont été artificialisées. Plus généralement, la France perd environ 20 à 30 000 hectares d'espaces naturels agricoles et forestiers sous la pression des activités humaines, c'est-à-dire sous notre pression. La production d'énergie, par exemple, consomme de l'espace, mais toutes les énergies ne se valent pas en termes d'emprise au sol. Sous quelque forme que ce soit, cette production d'électricité par des énergies renouvelables nécessite beaucoup d'espace. Et moi, j'aimerais parler quelques instants de l'éolien. Dans mon département de l'Aisne, par exemple, nous installons des centaines d'éoliennes. Et une éolienne consomme à peu près 2000 mètres carrés d'emprise au sol, route d'accès comprise pour atteindre l'éolienne. Chacun fera le calcul quand on sait qu'on en installe des centaines de milliers actuellement dans notre pays, et c'est bien sur des terres agricoles. Que pensez-vous de ce paradoxe ? Je vous remercie. Merci. Est-ce que d'autres collègues souhaitent prendre la parole ? Pas d'autres collègues. Je me permets simplement de poser quelques questions moi aussi. Est-ce que vous pensez que tout est mis en œuvre pour que le sujet de la compensation soit vraiment le dernier étage de la fusée, si je peux me permettre? Dans quelle mesure est-ce que les outils, lorsque on n'a pas le choix sur la compensation, dans quelle mesure est-ce que les outils proposés en termes de compensation sont-ils assez efficaces, et dans quelle mesure est-ce que d'un point de vue législatif on pourrait accompagner cette dynamique? Et enfin, il n'y a pas de hasard si nous avons décidé dans le cadre de cette table ronde de vous réunir. Est-ce que le lien entre le CEREMA et l'industrie aujourd'hui est bien mis en place, et dans quelle mesure est-ce que nous pourrions faciliter ces mises en relation? Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Je vais tenter de répondre à certaines des interrogations. Sur les démarches concernant justement la méthodologie, notamment sur les cours d'eau, je ne vais pas avoir beaucoup d'éléments aujourd'hui de réponse sur ce suivi. La méthode standard qui était évoquée, qui est sous comité de pilotage, enfin sous pilotage du MNHN en termes d'application, cherche encore à se tester sur les territoires. L'année dernière, on avait encore un petit constat de candidats pas très volontaires pour essayer d'appliquer à leur projet cette méthode. Mais on pourrait revenir par la suite sur la situation, sur la compensation des cours d'eau, qui est effectivement un sujet particulier, notamment avec l'émergence notamment aussi des unités de production hydroélectrique réduites sur les petits cours d'eau. Il y avait cette question autour des friches aussi, vis-à-vis de, alors d'une part, de leur mobilisation et sur la réglementation alors industrielle sur les produits toxiques. Ça là-dessus, très clairement, on n'a pas de compétences au sein du CEREMA sur tout ce qui va être installation classée de protection de l'environnement, hein, ICPE. Par contre, effectivement, la difficulté à remobiliser ce foncier est un sujet qui est vraiment compliqué. Il y a eu l'intervention du fonds Friche, dont on a une quatrième millésime dans le cadre du fonds vert, hein, puisqu'auparavant, on avait le fonds Friche qui était vraiment dédié à cette remobilisation. Le CEREMA a investi aussi le sujet pour faire un inventaire national de ces projets de friche. Alors, tous les dossiers candidats au fonds Friche ont été numérisés et bancarisés dans un outil.
On a des partenariats avec des observatoires territoriaux de recensement des friches. Et ce patrimoine-là, aujourd'hui, il est partagé, notamment avec l'OFB, notamment avec le ministère de la Transition écologique, pour trouver les solutions de remobilisation de ce foncier qui rentre bien évidemment dans des mesures de refaire la ville sur la ville, etc. Donc ça, ce patrimoine-là, il n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a encore des périmètres de recensement de friches qui sont à trouver. Mais bien évidemment, on est actif sur le thème. Je ne vais pas tellement avoir d'éléments de réponse sur l'enfrichement naturel, la question qui était posée sur ces milieux. Là-dessus, je pense que l'OFB serait bien plus pertinent pour répondre sur effectivement l'abandon de terres agricoles, etc. Enfin, souvent, on a en image dans la tête d'une ancienne usine rouillée dans un coin. Les friches, ce n'est pas que ça. Hein. C'est aussi des anciennes carrières, des espaces naturels agricoles, etc. Là-dessus, et on intègre d'ailleurs les périmètres dont on a connaissance dans notre outil. Mais par contre, l'OFB serait certainement plus pertinent. Il y a une question aussi sur le constat de la compensation et de l'équivalence. Un hectare de forêt âgée, si on replante la même chose avec des jeunes boisements. Alors on partage ce constat, bien évidemment. En fait, il y a ce distinguo. En fait, la compensation, ce n'est pas l'équivalence. C'est-à-dire qu'on ne va pas recréer ce qu'on a supprimé. C'est vraiment fondamentalement la démarche de la compensation, c'est-à-dire qu'on a porté atteinte pour des raisons que l'on doit justifier et expliquer. Et donc, pour agir sur cette destruction, eh bien, on va recréer quelque chose. Mais ce que l'on recrée, eh bien, ce n'est pas l'équivalent exactement de ce qui est demandé. Et c'est pourquoi les doctrines, alors je disais qu'il n'y avait pas d'éléments de standard national sur la méthode de compensation, la méthode standard d'évaluation des potentiels de gains écologiques, mais il y a toute une série de doctrines de littérature grise dans les métiers d'autorisation sur l'autorisation sur l'eau, les dérogations espèces protégées, habitat, faune, flore. Il y a toute cette doctrine qui existe. Et souvent, les ratios, on ne demande pas un hectare pour un hectare. On demande bien plus. On demande, quand on détruit, on va couper un arbre, on va demander, ou des plantes, donc au niveau de la flore, on va demander beaucoup plus de plantations parce qu'il y a le principe de non-atteinte à la biodiversité. On ne peut pas, dans un projet, abaisser le niveau de biodiversité existant avant le projet. On doit viser une plus grande biodiversité. Et puis, on sait que dans ce qui va être replanté, peut-être que certaines plantes vont peut-être dépérir. Et donc, il faut aussi assurer la pérennité de cette mesure de compensation dans le temps, d'où le fait d'avoir des ratios plus importants et sur des durées longues. Sur la compensation en zone agricole de faible valeur, on est bien d'accord sur le fait de ne pas se relocaliser sur des terres agricoles de grande qualité. Alors ça, c'est un chantier qu'on a à cœur aussi au CEREMA, la prise en compte des sols dans l'aménagement et dans les sujets de nature en ville et de biodiversité est un vrai sujet. Le sol présente des multifonctionnalités, celui de produire. Il est aussi le siège de la biodiversité. Il est aussi un rôle sur la gestion de l'eau, en fait, l'infiltration, le stockage, etc. Et on a développé des méthodes d'appréhension de ces différentes fonctionnalités, notamment dans les documents d'urbanisme, par une démarche que l'on appelle MUSE et qui peut se retrouver à disposition des collectivités pour permettre cette prise en compte de ces différentes valeurs en fait, de sol, et de ne pas être peut-être comme dans une carte communale où on a l'urbain et le naturel juste à côté. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Sur le besoin de complémentarité urbain et rural, effectivement, il y a ce sujet qui est bien sûr en discussion, d'où le fait aussi d'avoir sur ces sites naturels de compensation cette obligation de proximité fonctionnelle. Et ça ne marchera pas si on n'a que 3 sites. Le problème de Caussure, effectivement, en France, il n'y en a qu'un seul en France. Il faut positionner des projets au plus proche des projets qui visent à être compensé pour que ça soit fonctionnel. Alors ce lien, il fait peut-être partie de la démarche un peu
aménité rural, qui est un petit peu en discussion actuellement. Peut-être que des éléments de réponse peuvent se retrouver sur cette solidarité urbain et fonction écologique en milieu rural associé. Peut-être sur l'éolien aussi, je ne sais pas si je ne pourrais pas vous répondre sur l'aspect suffisant vraiment des mesures qui sont proposées. Simplement, je crois que le président de la LPO, lors du Conseil national de la refondation, dans les ateliers biodiversité climat, disait que justement, sur le sujet d'éolien, quand c'était anticipé et bien traité, on pouvait faire des solutions, des choses très, très satisfaisantes pour la protection de la biodiversité, que ce soit au niveau des oiseaux ou des chiroptères, les chauves-souris. Vis-à-vis de ces sujets. Bon, mais je ne pourrais pas qualifier au-delà de cela. Pardon, excusez-moi. Quelques éléments complémentaires. Sur cet écart entre ce qui a été détruit et ce qui est compensé, je suis parfaitement en ligne avec ce que vient de dire M. Yaïch. Je tiens aussi à mettre en avant le fait que l'anticipation, c'est quand même l'anticipation de la compensation, c'est quand même un aspect plutôt positif dans la mesure où, avant même la destruction d'un milieu, on a déjà la régénération d'un milieu alternatif est déjà entamée, ce qui évite, en tout cas, si compensation il y a, et on est bien d'accord qu'il s'agit toujours de la moins bonne des solutions, mais ça évite ces ruptures très brutales dans les milieux. Et vous avez posé la question de est-ce que les SN2R seraient une amélioration. Je pense qu'il y a effectivement quelques points positifs, même s'il ne s'agit en rien d'une baguette magique. C'est pas quelque chose qui va tout d'un coup solutionner ni le problème de la biodiversité, ni même celui des mesures de ERC, de la compensation. Enfin, en point positif, il y a la prise en compte des mesures volontaires, qui, comme je disais tout à l'heure, sont extrêmement nombreuses. Également, la participation, la possibilité pour les pouvoirs publics d'acheter des crédits, qui permet aussi d'initier une sorte de dynamique aussi au sein d'un territoire. On avait aussi justement cette approche territoriale. Y a-t-il des liens entre le CEREMA et l'industrie? Assurément, il y a déjà des échanges, mais c'est quelque chose que nous pourrons et nous mettrons en place pour essayer de tisser un petit peu plus de liens et toujours avec cette approche territoriale qui me paraît extrêmement importante. Il faut vraiment que chaque projet soit conçu dans la réalité géographique vraiment d'un territoire donné. Géographique et économique. Après, vous m'avez interrogé sur l'impact carbone du numérique. Je suis navrée, je ne suis pas compétente. Il s'agit bien évidemment d'un sujet extrêmement important, mais je n'ai pas d'élément particulier à vous apporter là. Madame Panonac, vous m'avez aussi interrogé sur les filtres solaires. Là aussi, je propose d'éventuellement vous apporter des points complémentaires. Ce serait plutôt ma direction scientifique. C'est effectivement un sujet très important. Il faut à la fois protéger l'environnement, éviter que les filtres ne détruisent notamment les écosystèmes marins. Mais il est aussi important que les Français continuent à utiliser des crèmes solaires pour éviter des problèmes de cancer. Donc, on pourra vous apporter des points complémentaires. Pardon, peut-être juste en complément. Effectivement, merci de la passerelle, Monsieur le Président, justement, pour faire le lien entre les acteurs. Effectivement, il nous paraît essentiel, déjà en tout cas au niveau du CEREMA, d'être aussi un acteur encore plus important dans la sensibilisation, dans la formation, à la fois des collectivités, bien sûr, mais aussi des bureaux d'études et des fédérations et des porteurs de projets. Donc, je pense qu'un gain également est à ce niveau-là dans la formation et dans plus d'ingénierie en réalité sur ces sujets, puisque aujourd'hui on se sent souvent un peu seul en tant qu'expert et on voit qu'il y a très peu de diffusion à ce niveau-là, sachant que bien sûr l'ingénierie fait toujours défaut là où on a les sujets, les sites, les grands sites de réindustrialisation qui sont potentiels, qui sont ceux de reconversion, sont souvent dans des
territoires, ou en tout cas des entités qui sont pas forcément celles les plus pourvues en ingénierie, on peut se le dire ainsi. Donc ça, c'est un point aussi important que je voulais souligner. Et puis sur le foncier mobilisable, finalement, pour la compensation, et bien sûr, dans cette logique de faire tout pour dissuader d'arriver à la compensation, je le disais tout à l'heure, mais je pense sincèrement qu'il faut donner des caractéristiques à ce foncier mobilisable. Il faut définir sans être trop contraignant, bien sûr, hein, sinon on ne permettrait aucun développement, bien sûr, mais il y a un juste milieu, et peut-être il y a un travail à faire à ce niveau-là. En tout cas, les experts du CEREMA se tiennent à disposition avec les autres organismes, bien sûr, pour y réfléchir davantage. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que d'autres collègues souhaitent prendre la parole ? Eh bien, écoutez, un grand merci à vous pour votre présence et votre mobilisation sur ce sujet. Pour ceux qui ont donné leur accord, un petit rappel, nous partons à 14h45 devant le 103 rue de l'Université pour notre déplacement au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Et nous nous retrouvons mardi 27 juin 2023 à 17h15 pour l'examen de la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l'avenir. Merci, chers collègues.